Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Alors oui, j'avais disparu depuis quelques jours, excusez-moi, mais je ne vous ai pas oublié, je suis là, me revoilà pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement avec un petit plaid, un oreiller sur votre canapé, dans votre lit, n'importe où, où vous vous sentez bien. On va commencer par purifier les énergies avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Pluvieux, certainement, parce que le temps est automnal, hein. Ça y est, on est dans l'automne, donc il pleut. On va commencer par voir quel est l'ange qui est parmi nous, ou l'archange qui est parmi nous pour cette guidance, pour tous les messages que j'ai à vous passer aujourd'hui. Je ne sais pas encore sur quel thème. Comme vous le savez, en grande partie, en général, ma chaîne est dédiée à l'amour. Donc on verra bien, d'accord? Donc je vais prendre l'oracle angélique et c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer un message pour mes petites étoiles. J'ai l'ange de la paix, calme, silence et liberté. L'ange de la paix qui vous tend la main. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous tendre la main pour faire la paix. Il y a vraiment une notion de paix, de vous tendre la main et de vous dire, allez, on fait la paix, on arrête nos bêtises, on arrête de se disputer, on arrête de ne pas être d'accord. Enfin, il y a vraiment une notion de quelqu'un là. Regardez cet ange de la paix. Ça vous apporte la paix, des énergies calmes. Il y a du silence. On parle de silence. Quelqu'un qui est dans le silence, qui va vous tendre la main pour vous faire la paix avec vous, faire la paix avec vous. Il y a quelqu'un là qui veut faire la paix avec vous. Quelqu'un qui est dans le silence, quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui ne parle pas, qui ne sait plus quoi dire, qui ne sait plus quoi faire pour faire la paix avec vous. C'est ce que je ressens. C'est en tous les cas, c'est l'ange de la paix, donc il y a la paix qui arrive. Vous allez faire la paix avec quelqu'un. Alors, on va regarder. Vous allez être en paix en tous les cas par rapport à une décision, par rapport à quelque chose qui vous tracasse. Voilà, je vous le mets là. Je pense que vous le voyez bien, l'ange de la paix. On va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir quelles sont les énergies qui nous accompagnent dans ce tirage. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les anges, tous les êtres de lumière, mes guides,
Il y a deux cartes qui veulent venir, je les prends. Allez, c'est parti. Restaurer et reconstituer. Restaurer et reconstituer. Il y a quelqu'un qui se replie sur lui-même ou sur elle-même, un peu en position fœtale. Quelqu'un qui se replie sur lui-même, peut-être parce que il y a eu quelque chose qui lui a fait mal. Quelqu'un qui est vraiment replié par défense, par quelqu'un qui a besoin de se restaurer, quelqu'un qui a besoin de se reconstituer, de renaître, quelqu'un qui des choses à guérir intérieur, peut-être quelqu'un qui se sent malheureux ou malheureuse. Il y a une notion de renaissance, voyez. Cette personne est en position fœtale, repliée sur lui-même. Une notion de quelqu'un qui a mal, quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui sait plus quoi faire pour un renouveau. Quelqu'un qui aimerait restaurer ou reconstituer une histoire d'amour ou quelque chose qui s'est cassé. Voyez, c'est pour ça qu'on a l'ange de la paix. Et j'ai la carte 37. Concentrez-vous sur la lumière. Concentrez-vous sur la lumière. On vous demande de vraiment rester positif et positive, d'aller vers la lumière, de tendre vos prières à l'univers. Il y a une notion de se tourner. Je sens que cette personne qui ne sait plus quoi faire, qui est repliée sur elle-même, va vraiment se tourner vers la lumière et va demander, va prier. Va demander de l'aide pour pouvoir sortir de ce repli, de cette comment dire, de cette mésentente, de cette distance, de ce silence. Il y a vraiment une notion de se tourner vers Dieu, de prier, de regarder en l'air, de tendre les mains vers la lumière et de d'implorer le Seigneur de lui faire une grâce pour se relever. Après une mésentente, après une dispute, après une fin, quelque chose qui s'est terminé ou quelque chose qui. Un retrait, une distance, un repli par rapport à une incompréhension, par rapport peut-être à des mensonges. Quelqu'un qui se replie là par rapport à quelqu'un qui lui fait du mal. Je sens qu'il y a une incompréhension. Alors, ça, c'est en médiumnité, je vous le dis, il y a une incompréhension. Cette personne, je sens une féminine qui demande pourquoi. Pourquoi la source? Pourquoi la lumière? Pourquoi cette personne est dans le silence? Pourquoi cette personne se replie sur elle-même? Cette féminine demande de la lumière sur cette situation, sur cet amour. Elle a besoin d'y voir plus clair, car elle ne comprend pas pourquoi. Peut-être des mensonges, des choses cachées, pourquoi cette personne se replie sur lui-même ou sur elle-même et ne dit pas les choses ouvertement. Pourquoi cette personne reste recroquevillée sur lui-même ou sur elle-même, en mode défensive, dans le silence. Vous voyez, je vois une femme là, une féminine. Alors pour moi, c'est une féminine, une énergie féminine qui implore la lumière, qui implore Dieu de l'éclairer, avoir des réponses à ses questions pour pouvoir pardonner et faire la paix. Alors, je vais prendre quel oracle? Je vais prendre l'oracle des sirènes. Ça m'a appelé aujourd'hui, les sirènes, l'oracle des sirènes. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, parce que hier les énergies étaient un peu difficiles, j'étais pas les seules à les ressentir, donc j'espère vraiment que vous avez traversé la journée d'hier tant bien que mal, parce que ça a été compliqué. Alors, je vais battre les cartes, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages.
pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais peut-être... Je vous entends me le dire, hein. Descendre le téléphone pour que vous voyez bien les cartes. Voilà. Normalement, là, vous voyez tout. Oui. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, qui ont besoin de réponses, d'y voir plus clair par rapport à quelqu'un qui est en repli sur lui-même et qui est dans le silence, s'il vous plaît. La carte est tombée. Sacrifice. J'ai la carte du sacrifice, la carte 11. Hein, ça me parle de flammes jumelles, de liens d'âme, de personnes qui se ressemblent énormément. Il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Il y a ce qui vaut la peine et ce qui vous détruit. J'ai l'impression que vous faites des sacrifices par rapport à une relation. Il y a une personne qui fait des sacrifices. Ça vaut la peine, mais ça vous détruit. Moi, je sens qu'il y a une part d'ombre là. Il y a quelque chose... On vous dit quand même que ça en vaut la peine. Quelque chose qui en vaut la peine. On vous dit de faire la différence entre ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Vous êtes dans l'ombre, là. J'ai l'impression que vous êtes dans des eaux troubles. Vous voyez, cette sirène, je sens qu'elle se pose beaucoup, beaucoup de questions. Elle se pose la question de savoir si ça en vaut la peine. Hein, ça en vaut la peine. Ou est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça va la détruire? Est-ce que réellement son autre vaut la peine de se sacrifier? De faire des sacrifices ou est-ce que c'est quelque chose qui va la détruire? C'est pour ça qu'elle demande à la source, à la lumière, d'y voir plus clair. Moi, je sens cette personne complètement dans le flou, complètement perdue dans des eaux troubles. Hein. Cette sirène, elle est pas dans des eaux claires, hein. Elle est dans des eaux troubles. Peut-être aussi que cette sirène est en train de faire ressortir... au fond d'elle, des peurs, des doutes, des blessures, des choses qu'elle a besoin de travailler. Et elle est en train de se restaurer, en train de se replier sur elle-même pour se reconstituer, pour se reconstruire. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui descend au plus profond d'elle, au plus profond de lui, pour pouvoir remonter, renaître vers la lumière. Moi, je sens quand même quelqu'un qui fait des sacrifices. Hein. Des sacrifices par rapport à un autre, par rapport à son autre, par rapport à sa flamme jumelle. Je vois quelqu'un qui s'est ramassé par terre, là, qui veut se relever, hein, mais qui est par terre. J'ai l'impression que cette personne a découvert ou sent des choses qui sont pas claires, des choses qui sont cachées. Elle le sent. Je sens une personne qui est prête à faire des sacrifices, hein. Peut-être par rapport à des choses qu'elle ne pensait pas. Alors. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Le miroir. J'ai la carte du miroir. Vous avez l'impression de vous voir dans le miroir. Le miroir est flou. Vous y voyez pas clair. Vous avez envie de voir dans le miroir. Vous avez quelqu'un qui vous ressemble, mais qui est pas clair. Vous, vous êtes clair, vous êtes sincère, vous êtes vraiment
précise, vous ne cachez rien, mais moi je vois quelqu'un en face de vous dans le miroir. Vous voyez quelqu'un qui est trouble, quelqu'un qui est pas clair, quelqu'un qui n'est pas comment dire, transparent. Quelqu'un qui vous cache des choses certainement, qui est dans le mensonge. On vous dit, connais-toi toi-même, auto-examen. Vous avez peut-être des parts de vous que vous n'assumez pas, que vous ne voulez pas laisser paraître. Vous avez des choses à l'intérieur que vous devez connaître, que vous devez assumer. On ne se connaît pas forcément soi-même, mais on vous demande d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à comprendre vos réactions, à comprendre votre parcours, vos épreuves, pour pouvoir mieux voir la personne qui est en face. La personne qui est en face de vous est trouble, n'est pas claire, n'est pas... Vous voyez, son image est floutée, elle est... Vous y voyez pas très clair, vous êtes complètement troublé par cette personne parce que vous êtes attiré par cette personne, réellement. Je vois que cette personne, c'est votre reflet. Vous vous ressemblez beaucoup, mais il y a quand même une part de lui, une part de vous que vous ne connaissez pas. Et ça vous trouble énormément. Vous êtes complètement perdu, vous êtes déstabilisé. Vous avez envie de rentrer dans ce miroir pour y voir plus clair. Vous avez envie d'arrêter cette image floue, vous avez envie que ça soit net, ça soit clair, précis. Vous avez envie de savoir si cette personne vaut la peine, autant de sacrifices, autant de... De cartes. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Des messages précis par rapport à ce qu'elles vivent, hein, mes petites étoiles, ma constellation. S'il vous plaît, j'ai besoin de leur passer des messages dont elles ont besoin d'entendre. Endurance, continuez. Là, on vous demande d'être endurant, d'être endurante, d'être dans l'endurance, de continuer, donc de ne pas arrêter. Je ressens quelqu'un qui nage à vos côtés, que vous suivez, que vous voulez attraper, que vous voulez, comment dire, pas imiter, mais suivre. Quelqu'un qui... Vous avez envie de fluidité, c'est fluide avec cette personne, voyez? Vous avez les mêmes rêves, vous avancez vers la même direction. Là, il y a une queue de sirène. Vous avez deux sirènes. On dirait que vous suivez quelque chose, vous avez des rêves, vous avez les mêmes rêves. On vous demande d'être endurant, d'être dans l'endurance. Vous avez certainement des sacrifices à faire. On vous demande de ne pas lâcher, de continuer. Continuer ce parcours, ce chemin. On ne vous demande pas d'arrêter. Si vous aviez une question par rapport à cette personne qui est un peu floue, qui n'est pas précise, qui vous cache des choses, qui vous dit pas tout, on vous dit de continuer. Peut-être que vous avez continué malgré que ça soit flou, vous avez été endurante ou endurant. Vous avez continué malgré tout. Alors, on va regarder. En tous les cas, il y a deux poissons là. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un du signe de poisson, ascendant poisson, signe lunaire, mais il y a quand même un couple de poissons. Hein. Moi, je vois la mer qui est quand même agitée. Hein. La mer est agitée, c'est pas calme. Hein. Je sens que là, vous avez quand même des difficultés à avancer parce que la mer a beaucoup de mouvements, a beaucoup de courants. Mais malgré tout, vous avancez, on vous demande d'être endurant, malgré que la mer soit quand même pas calme, d'accord? Que ce soit une mer agitée, on vous demande de continuer, d'être endurant. Alors,
s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles, car ils ont besoin de réponses précises par rapport à leurs questionnements, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Expérience. C'est lourd là. Hein. Je vois quelqu'un qui est dans le sacrifice, quelqu'un qui voit pas clair. Et là, j'ai la carte de l'expérience. Manipulation. Manipulation de la nature, cruauté de la recherche, arrogance. Expérience. Vous avez peur d'être manipulé. Peut-être que cet autre vous manipule. Pour ça que vous vous tournez vers la lumière, parce que là vous avez le côté sombre. Je sens qu'il y a le côté sombre qui essaie de vous faire craquer, qui essaie de vous faire lâcher. On vous envoie des expériences, hein, pour vous tester sur votre foi, sur votre lumière. Moi je vois une féminine là qui a en face d'elle quelque chose qui lui fait peur, quelque chose de sombre, quelque chose dont elle voit pas. Elle voit pas le visage, le vrai visage. Elle voit juste une silhouette, et cette silhouette, elle est floutée, elle est cachée, cachée derrière sa cape, derrière sa capuche. Moi, je vois une féminine qui est dans la lumière, qui est lumineuse, hein. Mais moi, je vois beaucoup de peur, mais malgré sa peur, cette féminine affronte le côté sombre. Cette féminine, à la fois, elle lâche rien. Ce côté sombre, cette expérience, c'est pour la déstabiliser. Mais elle reste la tête levée. D'accord? Elle ne baisse pas les bras, elle ne baisse pas la tête, elle ne se laisse pas impressionner, cette féminine, hein, par quelqu'un qui cache son jeu, qui manipule. Elle le ressent. Elle le ressent. Cette personne n'est pas claire. Hein? Donc on parle quand même de manipulation. Cette personne essaie de manipuler la féminine. C'est dans sa nature. Moi je sens que cette personne a l'habitude de manipuler, par habitude, dans sa nature. C'est plus fort que lui. C'est quelque chose, c'est un exercice, comment dire, c'est un exercice facile pour cette personne, puisque c'est naturel. Cette personne a l'habitude de manipuler, a l'habitude de se cacher. Mais je ressens que cette personne n'arrive pas à manipuler sa féminine malgré toute son expérience. Grâce à son expérience, la féminine ne tombe pas dans le piège. Elle ne tombe pas, elle reste droite. Alors... S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. J'ai un chat dans la gorge, décidément. Pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Cette carte veut venir. Amoureux, amoureuse. Bon. Épousez le divin en lui, en elle et en vous. Amoureux, amoureuse. Il y a vraiment là quelqu'un. Je sens qu'il y a quelqu'un qui sort de l'ombre et qui va se dévoiler à vous et qui va enfin assumer ses sentiments, vous montrer son vrai visage. Vous sortez de l'ombre de la manipulation pour l'amour. C'est un amour divin. À travers lui, vous voyez le divin. À travers vous, il voit le divin. Il y a énormément de connexions entre vous. Hein. C'est quelque chose de magique, quelque chose que vous n'avez jamais ressenti. Vous avez peur peut-être d'être manipulé, hein, par rapport à votre expérience, mais là on vous dit, amoureux, amoureuse, épousez le divin en lui ou en elle, en vous. Cette personne vous prend dans ses bras, met sa tête contre votre poitrine, contre vous, a besoin d'être beaucoup de tendresse, a besoin d'amour, a besoin de vous sentir contre lui. Il a envie de voler contre vous, d'arriver avec des ailes d'ange pour vous retrouver. Et cette personne est prête à affronter tout, à faire des sacrifices pour vous retrouver. D'accord?
C'est beau parce qu'en fait, c'est un ange avec une sirène. L'amour qu'il y a là, c'est divin. C'est une sirène avec un ange. Un homme, un masculin avec des ailes d'ange. C'est marrant parce qu'on a quand même l'opposé. C'est-à-dire, vous avez l'amoureux, l'amoureuse, l'amour, l'expérience. J'ai la sensation que c'est le yin et le yang, hein. C'est le sombre et la lumière. Vous êtes entre deux, entre vous dire est-ce que c'est de la manipulation ou est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la lumière ou est-ce que c'est du sombre? Quelle est la réponse? Vous doutez, vous êtes entre deux. Vous vous dites est-ce que je dois y croire? Est-ce que ça en vaut la peine? Ou est-ce que je suis dans l'illusion? Dans l'illusion, la manipulation? Vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair, hein. Vous êtes perdu, 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 entre ce qui est vrai, ce qui est faux. Cette personne vous a menti, certainement, par habitude, parce que je sens que c'est quelqu'un qui est habitué, hein, qui le fait naturellement. Mais vous, ça vous gêne, ça vous dérange. Parce que vous êtes quelqu'un de vrai, d'entière, transparente. Vous ne vous cachez pas, vous êtes vous-même. C'est un très beau tirage et en même temps je sens que vous avez beaucoup de confusion. Alors, on va essayer, je vais prendre une gorgée de tisane, excusez-moi. Ma fameuse tisane qui me fait devenir un peu fofolle, vous la connaissez, cette tisane, j'ai déjà prise. Alors, je vais continuer avec le tarot des sirènes, je continue avec les sirènes. Je vous sens complètement perdue, mes petites étoiles, et en même temps, c'est tellement fort, cet amour que je ressens. Vous n'avez jamais ressenti ça. Et du coup, ça vous fait peur. Je sens qu'il y a des peurs, beaucoup de peurs. Allez, je vais demander. Alors, vous inquiétez pas, je vous dis ça en plein milieu de guidance, parce que je veux absolument que vous le sachiez. J'ai beaucoup de mails à répondre, je ne vous ai pas oublié, mais j'étais occupée et j'ai pas pu y répondre. Donc vous inquiétez pas, je le ferai aujourd'hui ou demain. Je répondrai à tous vos mails. Hein, d'accord? Allez, c'est parti. Je vais prendre les cartes dans le bon sens. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Oh là! Alors, mes petites étoiles, je vous ai tiré deux cartes et ça repense à ça, hein, le sombre et la lumière. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un, là, j'ai le 10 d'épée et l'étoile. Donc, j'ai quelqu'un qui est à terre, là, qui est abattu, qui est malheureux, qui est triste, qui pleure, qui a reçu, comme s'il avait reçu 10 épées dans le cœur. Quelqu'un qui est à terre, quelqu'un qui est replié sur lui-même et c'est les premières cartes de la guidance. Quelqu'un qui... Une femme là qui a reçu plein de comment dire d'épées. Alors, c'est comment on a les tridents de la mer là. J'ai une femme qui est au fond de la mer, qui peut plus bouger, qui est désespérée, qui est triste, qui est abattue, qui est déçue. Moi, je ressens une femme déçue. Une femme déçue qui s'attendait pas à être déçue comme ça parce que c'est un amour magique, divin, quelque chose qu'elle n'a jamais vécu. Tellement d'amour, tellement de lumière. Quelqu'un qui lui a vraiment donné beaucoup de bonheur intensément. Il y a eu quelque chose qui l'a déçue. Et pourtant, j'ai l'étoile, hein, mes petites étoiles là. Hein. J'ai l'étoile. Vous allez y voir plus clair, l'étoile va vous guider, vous donner le chemin. Il y a quand même le triomphe, il y a quand même du bonheur qui arrive. Malgré que vous avez l'impression que vous n'allez pas vous relever. Hein. C'est marrant parce que cette sirène, elle a réussi. Vous savez, normalement, la queue de la sirène, c'est réuni. Hein. Les jambes sont dans une queue et les jambes ne peuvent pas bouger. Moi, je vois ces jambes qui sont séparées. D'accord? Comme si cette sirène
avez la possibilité aussi, soit de les réunir, soit de les séparer et de marcher, quoi qu'il arrive, cette sirène, elle avancera dans la vie. D'accord? Cette sirène, c'est aussi la tempérance. Elle représente, c'est marrant, on dirait un mélange de la tempérance avec ses jardeaux, de la communication. Je pense, on vous dit à travers cette carte, que ce n'est pas désespéré, que vous allez voir plus clair, qu'il y a le bonheur, qu'il y a une solution, il y a de la communication. Quelqu'un va peut-être enfin vous délivrer la vérité, vous parler avec honnêteté, puisque vous attendez ça depuis longtemps. Vous avez découvert des choses, vous avez l'impression d'avoir été trahi, hein, et vous avez peut-être été trahi. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, il y a une carte qui s'est retournée. C'est l'as de coupe. L'as de coupe qui va parfaitement avec l'étoile, hein. Il y a vraiment une notion d'avoir beaucoup d'amour, un nouveau départ, quelqu'un qui vous offre son cœur. Il y a l'abondance avec ce coquillage. Regardez, c'est ce coquillage qui ruisselle d'eau, comme une cascade, comme une fontaine. C'est peut-être la féminine qui est dans tous ses états quand elle voit son masculin. Ça ne trompe pas, il y a quelque chose qui se passe qu'elle ne peut pas contrôler. Il y a énormément d'amour, beaucoup de choses hein, qui se passent dans son corps, dans son cœur. Cette féminine tend son cœur. Je sens que la féminine ou le masculin, là, vous tend son cœur. Il y a énormément d'amour. Je sens quelqu'un qui va livrer son cœur, qui va ouvrir son cœur, qui va parler. Parce que il y a trop de non-dits, de choses cachées. La seule façon pour avoir l'étoile, la réussite, c'est la communication et c'est d'ouvrir son cœur. Ces deux cartes vont ensemble, hein, regardez, hein, la féminine avec les jardeaux qui est là, le coquillage avec l'eau. Il y a une communication, besoin d'entendre que votre hôte vous aime. Il y a une déclaration, il y a quelque chose qui va se passer. Le coquillage, pour moi, c'est l'oreille aussi, c'est entendre, parce que quand on met le coquillage contre son oreille, on entend. Donc là, vous allez avoir la communication, vous allez entendre, on va vous parler. Son cœur va vous parler. Cette personne va vous parler avec son cœur, va se dévoiler, va enfin vous dire la vérité et va vous dire ses sentiments. Cette personne parlera avec son cœur, avec beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Il y aura beaucoup d'émotions, hein, je vous le dis, parce que peut-être qu'il y a eu une incompréhension, il y a eu des doutes, il y a eu des peurs par rapport à votre expérience du passé, hein. Je sens que vous êtes terrorisé par rapport à des blessures, par rapport à des doutes, à des peurs que vous avez au plus profond de vous. Vous avez besoin que cette personne vous parle avec son cœur, vous ouvre son cœur. Tous les cas, c'est certain que ça va s'arranger avec l'étoile. Hein. L'étoile et l'as de coupe. C'est des très bonnes cartes. Très, très, très bonnes cartes. Bon, je vais vous tirer une carte de mon nouvel oracle, Invitation à l'intuition, vous le connaissez maintenant. Avant de passer sur Vimeo, je vais faire un petit plus sur Vimeo, je pense, mais je n'ai pas fini hein, sur YouTube, vous inquiétez pas. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour la petite étoile qui regarde cette vidéo. En sachant que il m'en reste encore. Hein, vous pouvez me le commander. Ne vous inquiétez pas, vous m'envoyez un mail. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message clair et précis pour la petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît.
on me demande de me concentrer et de couper. J'ai coupé mes ongles, hein, vous avez vu, j'en ai cassé plusieurs. J'ai dit hop, je coupe. C'est pas beau d'en avoir un cassé au milieu. Jardin du lupin. Calme, zen, se sentir apaisé. Et encore une fois, c'est incroyable, je vous ai sorti l'ange de la paix en première carte. Et là, vous avez le jardin du lupin. Vous allez vous sentir apaisé. Vous étiez vraiment comme ça. Hein. Vous étiez au plus bas, vous étiez à terre. Hein. Vous aviez reçu des choses dans le cœur, des choses qui vous ont blessé. Et regardez comment vous allez être. Vous allez être apaisé, c'est la carte 13. Donc le 13, c'est la chance, un coup de chance. Ça me parle d'un jardin de lupin, donc vous allez vous sentir mieux. Vous allez être au calme, vous allez être zen. Vous allez être apaisé, on vous le dit. Il y a de l'apaisement qui arrive. La paix et l'apaisement. Incroyable. Vous avez vu, il répond bien, hein, cet oracle. Je suis fière de moi quand même. Hein. Alors, s'il vous plaît, vous allez vous dire, Angel, elle se fait des compliments toute seule. Bah, on n'est jamais servi mieux que par soi-même, hein, vous savez. Donc, je m'en fais toute seule. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, j'ai le secret. Je vais prendre la première carte parce qu'il y a trop de cartes. Celle qui s'est retournée, c'est là, le secret. Vous allez être apaisé par rapport à un secret. Une amie vous dévoile quelque chose. Suspectation. Vous allez être suspect. Enfin, vous êtes en train de suspecter quelque chose. Vous allez être étonné. La suspectation. Je vais y arriver. C'est un mot difficile. C'est pourtant moi qui l'ai écrit, hein, sur la carte 70. Vous allez découvrir un secret. Vous allez en parler à une amie ou une amie va vous en parler. Vous n'allez pas en revenir. Hein. Je sens que vous allez voir quelque chose, une vérité. Vous allez parler de quelque chose là qui va vraiment vous surprendre. Il y a un secret. Et c'est ce que je ressentais. Quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Quelqu'un qui vous cache des choses. Mais par rapport à secret, vous allez être apaisé. Donc, je dirais que... On va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Cercle d'amitié, communauté, public, fans, vous êtes très entourés, vos guides, jamais seuls. Donc on vous dit que vous n'êtes jamais seul, vous êtes très entouré, vous avez peut-être beaucoup d'amis, une communauté si vous faites comme moi sur YouTube. Vous avez des guides en tous les cas, hein. Vous avez des anges qui vous soutiennent, qui sont autour de vous. C'est la carte 18. Peut-être que je sens le secret de cette personne. C'est qu'il est très entouré, il y a peut-être beaucoup de femmes autour de lui. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un, si c'est un homme ou une femme, hein, vous inversez. Le secret, c'est qu'il y a un grand cercle de femmes ou d'amis autour de lui. Que cette personne n'est jamais seule. D'accord ? Ou n'aime pas être seule. Peut-être que c'est ça, le secret. Hein. Il y a certainement beaucoup de... féminine ou de masculin autour de votre autre. Vous allez découvrir un grand nombre de femmes ou d'hommes. Si c'est une féminine ou... Alors, on va regarder. Miss Muguet. Osez, car votre amour durera toujours. Passion secrète. Timidité séduisante. On vous dit d'oser encore, hein. Malgré que ce soit quelqu'un qui est très entouré, quelqu'un qui a beaucoup de femmes ou d'hommes autour de lui ou d'elle, c'est un amour qui durera toujours. Toujours, toujours, toujours. C'est une passion secrète. Hein. Peut-être que vous gardez ça au fond de vous aussi. Vous êtes secrète, vous n'osez pas vous exprimer, vous n'exprimez pas votre amour. Tout à l'heure, j'ai vu un cœur qui s'ouvrait, qui vous parlait avec amour et qui, avec sincérité. Peut-être que cette personne est assez secrète parce qu'il est pudique, parce que
il veut pas dévoiler sa vie, quelqu'un qui se cache beaucoup, peut-être par rapport au paparazzi, hein, avec l'appareil photo, quelqu'un qui veut rester secret et discret par rapport à sa communauté, par rapport à ses fans, par rapport à beaucoup de gens autour de lui ou d'elle. L'enfant de l'amour, naissance, renaissance, surprise, inattendue. Il y a une surprise inattendue. Il y a peut-être un enfant de l'amour qui va naître de cet amour, mais je ressens que vous allez faire travailler votre enfant intérieur. Il y a une surprise. Cette personne va vous faire une surprise. C'est la carte 20. C'est quelqu'un qui a gardé son âme d'enfant, qui aime vous faire des surprises aussi. C'est l'enfant de l'amour, c'est une renaissance, une naissance. Pour moi, cet amour va avoir une renaissance ou va avoir une naissance. Il va y avoir un enfant de l'amour. Ça a beaucoup de signification, hein. C'est comme ça qu'il faut utiliser mon oracle. Laissez-vous, comment dire, laissez venir ce qui vient dans votre conscience, comme je fais là. Parce que si on se tient à ces mots-clés, il n'y a pas que ça. Il faut laisser parler votre intuition et votre connexion. Votre canalisation, en tous les cas, pour moi, c'est quelqu'un qui a gardé son âme d'enfant. Je sens que cet homme ou cette femme va se jeter dans vos bras comme un enfant, avec pureté. La lanterne au papillon, tiens donc. Vous êtes en train d'essayer de voir plus clair, hein. Vous voulez du changement dans cette situation. Vous avez la lanterne, hein. Vous êtes en train de regarder un peu partout, de voir un peu plus. Vous voulez vraiment de la lumière sur cet homme ou cette femme, hein. C'est la carte 67, hein. Vous allez y voir plus clair de toute façon. La lumière, le changement, la transformation, cette situation, il y a une transformation. Vous n'allez pas rester stagné dans le doute. Vous allez y voir plus clair, on vous le confirme. Il y a vraiment une notion de transformation. Bon. Je vais prendre mon petit oracle d'Angèle, mon petit bijou nacré que je vous montre. J'en ai encore, vous pouvez me le commander. Il y a trop de cartes qui tombent, vous pouvez me le commander par mail en m'envoyant un mail. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, il y a une carte qui est tombée. L'archange Chamuel fait descendre sa lumière rose sur toi pour attirer l'amour sincère. Non mais attendez, c'est un truc de dingue parce que quand on regarde cette première carte que je vous ai tirée, l'archange Chamuel, l'archange de l'amour, fait descendre sa lumière rose sur toi pour attirer l'amour sincère. Donc, je vous dirais que cet homme ou cette femme, en tous les cas, a l'air d'être sincère dans ses sentiments. Vous allez avoir de la lumière, une lumière rose. Vous allez penser à moi, je dirais que le signe de cette vidéo, c'est de voir une lumière, mais une lumière rose. D'accord? C'est pas n'importe quelle lumière. Ça peut être, je sais pas, une bougie rose, une lumière rose. En tous les cas, c'est une lumière rose. Que ça soit dans un film, je sais pas, à l'extérieur, dans une vitrine, chez vous, n'importe où. Mais c'est la lumière rose, le signe de cette vidéo. Pour avoir l'amour sincère, ce qui voudra dire que cette personne est sincère avec vous. En tous les cas, il y a l'archange Samuel qui est avec nous. C'est pas n'importe quoi, c'est l'archange, c'est pas n'importe qui, c'est l'archange de l'amour, hein. L'archange qui aide dans les sentiments. Voilà. Donc, je vais passer sur Vimeo. Je vais utiliser l'étoile du soleil et d'autres oracles encore. Je vais voir. Peut-être, je vous fais la surprise, vous verrez. Si cette vidéo a résonné en vous, vous avez la possibilité donc de cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous la vidéo. Vous avez la petite flèche en bas à droite de la vidéo. Ça déroule toutes les informations concernant les oracles que j'ai utilisés et dont le lien extension Vimeo. Vous cliquez dessus et vous pourrez acheter ou louer la vidéo. Vous aurez le choix. Vous verrez la bande-annonce où je vais expliquer tout comment ça se passe. Si c'est la première fois que vous voyez une vidéo, bah vous ne connaissez peut-être pas Vimeo, donc voilà.
C'est pas une obligation, c'est ponctuel, c'est pas un abonnement, ne vous inquiétez pas. Voilà, si le cœur vous en dit, si ça a vibré, si vous avez eu des réponses par rapport à des questionnements, si le cœur vous en dit aussi, parce que le cœur, c'est votre intuition, c'est votre âme, et le cœur ne se trompe jamais. Voilà. Donc, je vais vous tirer un message de Jésus aussi. J'ai oublié de vous faire un message de Jésus. On me rappelle à l'ordre, là, tout de suite, mes guides me disent, Hé, Angèle, t'as pas fait le message de Jésus. Donc, je vous fais le message de Jésus pour avant de terminer. S'il vous plaît, Jésus, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Toutes les choses, en fait, on vous dit, Jésus vous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Donc, si vous êtes dans la justice, si vous êtes juste, d'accord, si vous avez vraiment une justesse dans votre comportement, on vous demande de chercher, de premièrement chercher le royaume et la justice de Dieu. Donc, chercher la vérité. Il y a vraiment une notion de vérité, hein. C'est la vérité, Dieu a la vérité. De toute façon, toutes les choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que par-dessus tous vos doutes par rapport à vos recherches, etc., on vous donnera des réponses. On vous donnera des réponses, on vous donnera ce que vous avez demandé. D'accord? Donc ça colle parfaitement au tirage. Voilà. Bon, donc je vous dis que bah, je vous disais que je vous invite à me suivre sur Vimeo en cliquant sur le lien extension Vimeo. Si toutefois bah, ça n'a pas résonné, bah, je vous dis à une prochaine fois. Ça ne peut pas résonner à chaque fois. Et puis voilà, merci pour vos likes, vos partages, pour vos commentaires de gratitude. Merci infiniment. Ça me touche, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour, de lumière, de bisous. J'espère que ça vous réconforte aussi parce que j'ai vraiment cette mission de vous réconforter, on me le dit. Et puis bah merci surtout pour vos partages, merci pour tous vos dons que vous me faites sur ma cagnotte Litchi, merci pour toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances privées et merci aussi pour toutes les personnes qui ont acquéri et qui veulent acquérir mes oracles. Voilà, merci infiniment. Que Dieu vous bénisse et vous protège et vous guide. Je vous embrasse très fort, mes petites étoiles. À très vite ou à tout de suite sur Vimeo. Merci, je vous embrasse.